Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 18. Alors je peux pas résister, hein. J'ai récupéré le colis très tard aujourd'hui et je peux pas résister pendant la mi-temps du match. Voilà, c'est pour ça que vous avez la mi-temps du match en fond. Il faut absolument que je déballe, je suis trop curieux, je suis trop impatient. Ah, je pouvais pas attendre la fin du match. Alors, donc on va déballer ça tout de suite et je vous montre ça tout de suite. Alors c'est pas un grand film, c'est pas du tout un gros machin, tout ça. Il y en a plein qui achèteraient jamais ce genre de premium pour ça. Mais moi, c'est un animé auquel j'ai mis 8 sur 10. Donc, je suis gros fan. Et donc, pour cette édition, c'est The Incredibles, le full slip de Kimchi Lelele. Et oui, j'adore cet animé. Franchement, je le trouve génial. Et en fait, j'ai craqué pour cette édition parce que je la trouve jolie. Elle est vraiment pas mal. Je crois que c'est un des premiers full slip que j'ai où il y a continuité. Alors, il y a une espèce d'effet mat granuleux et puis spot gloss sur les personnages et le titre. Un petit peu embossé d'ailleurs aussi sur le titre. Pareil, sur le côté, derrière, et donc continuité hein, entre le recto, la tranche et le verso. Hein, vous voyez bien que ça le fait, hein, regardez, hop. Tac, et le verso qui est de même facture, hein, granuleux ici. Matte, spot gloss, donc glossy sur les personnages. Alors il est en bon état, tout ça, il est d'occasion, hein, mais il est en bon état. Donc c'est Kimchi DVD, et l'édition, les 107 numérotés, pas là. Il y a peut-être une carte dedans. Alors, on va commencer par le petit livret. Le petit livret des Incredibles. Voilà, donc du petit texte en coréen. Les photos, des photos un peu du film. Et là, ça part en anglais pour la deuxième moitié, comme fait souvent Kimchi DVD. Donc, petit livret bien sympathique. Et je pense que le reste des goodies est censé être dans le steelbook. Et j'avoue que le steelbook, j'ai craqué mon slip. Parce que, en fait, c'est le steelbook. J'aime le full slip. Mais le steelbook m'a fait craquer. Hop. Ah non, il y a une petite enveloppe, on va faire l'enveloppe, alors autant pour moi, pardon, le petit slow roll. Donc la petite enveloppe, hop, je pensais qu'elle était dans le steelbook, avec les petites cartes du film, non, ça c'est plutôt un poster, ah oui, c'est un poster en long comme ça, ah oui, c'est vrai, je me rappelle l'avoir vu, je trouve ça super délire, moi ça me fait délirer, ça me fait rire, il y a un mélange d'humour et de super-héros, tout ce qu'on aime. Je suis petit fan, voilà, on va dire je suis petit fan. D'habitude je suis gros fan, mais là je suis petit fan. Parce que bon, c'est pas, ça reste un animé, mais j'aime bien quand même. Et il n'y a que ça. Alors, comme il est d'occasion, je peux pas être sûr que ce soit que ça qui soit fourni à l'origine. Ça m'étonne, il n'y a même pas des caractères cards ou quoi que ce soit. Mais bon, là, il n'y a que ça. Ok, on verra. Et ensuite, donc, le steelbook. Pipa, pipa, pou. Pan ! Alors, glossy. Type cadre, embossé sur le titre, je suis ultra fan, embossé sur le titre et sur le logo ici et la main. Et puis bon, hein, la tranche, et vous avez tout de suite compris, et le verso, qui lui aussi est type cadre avec embossé. Alors je vais vous montrer tout de suite, hein, parce que bon voilà, on va pas tortiller, voilà. Donc les cartes sont à l'intérieur, la carte qui me chie aussi, voilà, cette continuité. Quand je l'ai vu, j'ai dit, il me faut ce steelbook, voilà. Donc voilà, je l'ai pris, il a des petites... Ouais, non, il a quasiment rien, il est nickel. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de texte, le Disney présente, Pixar film, machin, bon, là, il y a vraiment un petit caca ici, mais on s'en tape. Donc voilà, regardez-moi cette... Et moi, j'aime les continuités. Pardon, voilà, j'ai envie juste de dire pardon, il est superbe. Et donc voilà, à l'intérieur, on a donc le Blu-ray, bien évidemment, putain j'ai eu peur, j'ai cru que c'était feature bonus et en fait ça veut dire feature film. Et un petit, alors là on voit bien tout l'embossage du style sur le titre et les personnages et le logo, enfin pardon, la main, les doigts pardon sur les côtés et le logo au milieu. On va regarder, alors il m'a laissé le petit stickers, il a recollé par dessus la carte au verso de la carte, le petit sticker Kimchi DVD, voilà c'est l'édition 36. Hein, voilà, hein, donc le petit truc qui est sur le plastique quand on déballe, vous voyez, il l'a laissé dessus comme ça. Donc il y a juste les stickers Kimchi posés dessus. Je vais les laisser là pour le moment. Et donc la carte édition 720 sur 1400. Ça aurait été drôle que ce soit pile la moitié. Donc voilà, édition numérotée hein, sur 1400. Donc ça fait beaucoup d'éditions. Mais bon, alors, donc les fameuses cartes et caractères cards, elles sont là-dedans. On va voir ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ah, j'ai cru qu'il y avait... Je me suis dit, il y a moyen que ça fasse continuité, en fait, non? Et voilà pour les cartes qui sont en mode de... Pas carte postale, mais qui sont, voilà. Il n'y en a que trois, avec la famille en tenue, à chaque deux fois en tenue et une fois
en civil, sympathique. Et donc les cartes, les caractères cards, si j'arrive à les sortir. Ouh, elles ont l'air un peu plus calides d'habitude. Non, non, c'est pareil. Alors voilà, alors le verso identique partout, hop, et le recto, donc Mr. Incredible. Elle, c'est la Mrs. Je sais plus. Et les autres, non, je me rappelle plus. En même temps, lui, c'est le titre Indestructible. Je sais plus. Je sais plus. Bref, c'est les Incroyables. Hein, pas les Indestructibles. Ah oui, en français, c'est les Indestructibles, je crois. Voilà. Dans le titre en français, c'est les Indestructibles. Et lui, c'est Monsieur Indestructible. Alors qu'en fait, Incredible, c'est incroyable et pas indestructible. Encore une fois, une adaptation de merde. Mr. Freeze ou Frozen, je sais plus. J'aime beaucoup. Je crois que c'est Samuel L. Jackson qui fait la voix en plus de lui. Et vraiment top. Donc tous les caractères card. Et bien voilà, c'était l'édition full slip de Kimchi DVD pour The Incredibles, un film que j'adore. J'avais mis 8 sur 10 et j'ai trouvé, bon en plus c'est bien parce que l'avantage de ces premiers, c'est qu'ils se vendent pas cher. Déjà il y a beaucoup d'éditions, 1400 ça commence à faire beaucoup. Et le steelbook est juste magnifique. Et puis surtout pour les films d'animation, ça a moins de succès que certains autres films. Donc moi ça me va, hein. Je vous remontre le full slip avec la belle continuité sur les côtés. Je suis pas fan de ces continuités comparées au steelbook, parce que voilà, un steelbook on peut l'ouvrir et on voit la continuité. Alors que là, non. Il faut vraiment regarder comme ça. Et c'est dommage parce que tu peux pas en profiter en mode landscape, comment dire, en mode paysage. Et bien voilà, dites-moi ce que vous avez pensé, si vous, vous achèteriez des premiums, même si c'est à petit prix, hein, je crois que j'ai payé ça, 60 balles livraison incluse, 55 euros, voilà, 55 euros plus la livraison. Donc est-ce que vous, vous prendriez des animations en premium? Parce que ben, pourquoi pas, il n'y a pas de raison, hein, si l'édition est jolie, si vous avez aimé le film, il n'y a pas de raison. Moi bon, en tout cas, j'ai adoré ce film, donc du coup, j'ai pris une édition premium. Eh bien écoutez, timing parfait parce que le match reprend dans 10 secondes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Tchou!